Voilà, il est 17h30. Aujourd'hui, c'est un jour très 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 chaud. Il fait 35 degrés. C'est vraiment très chaud aujourd'hui. Donc, je ne pêcherai pas sur le ponton parce que c'est en plein soleil. Donc, je suis venu me cacher en dessous des arbres là, dans la partie ombragée là. En espérant que c'est un bon spot. C'est un spot que j'avais déjà pêché avec Johnny. On avait fait une vingtaine de petits poissons et une petite carpette de 2 kilos environ. Donc aujourd'hui, il n'y a que deux pêcheurs là-bas. Un père et son fils qui pêchent là-bas. Sinon, il n'y a pas grand monde. Aujourd'hui, c'est une pêche qui est très difficile parce qu'il fait tellement chaud que les poissons ne répondent pas. Généralement, ici, ça répond très vite. Donc, c'est vraiment la canicule qui fait que les poissons restent immobiles dans les parties profondes ou dans les parties ombragées. Elles ne bougent pas du tout. C'est une pêche qui s'annonce assez difficile. Je vais essayer de faire une dizaine de petits poissons et ce sera déjà bien. Donc, aujourd'hui, j'ai abandonné tout ce qui est pêche de la carpe. Parce que les carpes en ce moment c'est vraiment difficile d'attraper, même à l'étang d'Oison, étang de Sainte-Montaine, c'est vraiment difficile. Au grand étang, c'est même pas la peine. Je fais capot sur capot. Donc j'ai décidé de m'amuser un peu ici au petit étang pour faire quelques petits poissons pour le plaisir. Parce que malgré tout, je reste toujours un enfant. Je suis comme un enfant qui découvre la pêche et ça fait que ma troisième année de pêche. Donc j'adore pêcher. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une pêche qui est assez compliquée. Voilà, donc ici ma canne de gauche, ma canne à mouliner. Je pêche, c'est la canne de Kenny, je pêche au bouchon de 10 grammes. Et moi je pêche ici, mon bouchon il est là. Voilà, mon bouchon il est là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de touches. Ça va pas être une partie facile, mais ici en dessous des arbres, ça va, il fait assez frais, il y a un léger petit vent et ça nous rafraîchit bien. Donc malgré les 35 degrés, c'est assez frais ici, on est très bien. Sauf que les poissons ne mordent pas. C'est tout. Donc apparemment, j'ai eu une petite touche là. J'ai eu une petite touche, le poisson a tiré sur le maïs, mais il ne l'a pas gobé. Donc il a déplacé mon flotteur sur 1 mètre et il ne l'a pas gobé. Voilà, on verra tout à l'heure combien on aura fait de poisson à la fin de la session. Donc là, on pêche d'environ 17h30 à 20h, 2h30 de pêche. Sachant qu'on va certainement s'arrêter avant 20h pour ranger le matos. Donc ça fait 2 bonnes heures de pêche. Je pêche au beau milieu de l'étang. Là-bas, les pêcheurs non plus, leurs flotteurs restent immobiles. Il n'y a pas grand-chose à faire. Quand les poissons ne veulent pas mordre, ben, on peut faire ce qu'on veut, ça mord pas. Quand les poissons ont faim, on n'a rien à faire, ils viennent tout seuls. C'est ça la pêche.